Je suis, je pense, devenue comédienne en m'habillant, en me costumant, en me transformant, en fait. On a fait un film ensemble, de Karen Lan, avec Romain Brault, et tu étais magnifique. C'est les habits. Justement, si on parle de vêtements, d'habits, est-ce que tu crois que les vêtements peuvent servir ta personnalité, exprimer ta personnalité ? Oui, complètement. En fait, je pense que je suis même devenue comédienne, sachant que je voulais être architecte, donc c'est une autre manière d'habiller l'espace. Mais je suis, je pense, devenue comédienne en m'habillant, en me costumant, en me transformant, en fait. Et je passais mon temps à changer mon apparence. C'est de là qu'un jour, je me suis dit, en fait, tu adores ça. Mmh. Et c'est ça qu'il faut que tu fasses. Et t'es comédienne, ça m'est venu comme ça, et c'est là que j'ai arrêté l'architecture. Donc pour moi, les habits sont manière d'avoir confiance en soi. C'est que je me sens jamais aussi forte que quand j'ai des habits qui me valident quelque part. Et c'est pas parce qu'ils sont chers ou quoi que ce soit, c'est parce que je me sens... Toi-même. Oui. Moi, c'est ce que j'essaye de dire à travers les vêtements. C'est pour ça que je me sens si bien, je pense, dans tes vêtements. J'aime pas me sentir étriquée, obligée d'être belle dans quelque chose, parce qu'il faut en fait que moi je m'adapte aux vêtements. Mmh. Et ça me coûte en fait, j'aime pas, et au bout d'un moment je les porte plus. Alors que là, ce que je trouve incroyable, parce que moi j'ai eu un coup de foudre, hein. Quand on s'est rencontrés sur le film, avec toute la manière dont tu conçois en fait les vêtements pour les gens et pour les corps. Et là, j'ai vraiment l'impression de m'être glissée dans les habits et d'un coup de me dire, je bouge plus, je suis bien là. Et à chaque fois que j'essaie une nouvelle tenue, ou même les chaussures, je comprends pas comment on fait pour être aussi bien dans des chaussures aussi hautes, par exemple. Mmh. Moi qui suis très grande, je mets jamais de talons. Mmh. Et là, quoi qu'il arrive, je me sens dans une douceur. Les matières sont agréables, sont aimantes, j'ai l'impression. C'est ce que je ressens. Merci à toi d'exister.